Et on commence donc par Honda qui, vous le savez, ne commercialise plus de Big One, que ce soit la Super 4 ou encore la Boldor en France depuis des années, 12 pour être précis, et je sais que beaucoup la regrettent alors même que le modèle est toujours vendu au Japon. Eh bien, je ne vais pas atténuer votre frustration les amis aujourd'hui puisque Honda ne compte pas s'arrêter là. Le constructeur a même fêté en grande pompe les 30 ans du Big One là-bas l'année dernière. Mais alors le truc qui peut carrément agacer, c'est lorsqu'on sait qu'entre-temps, elle a gagné un ride-by-wire, des modes de conduite, un régulateur de vitesse, anti-patinage, éclairage LED, nouveau silencieux, un quick shifter en option. Mais alors surtout, cette année encore, Honda conserve les versions Super 4 et Super Boldor avec sa déco d'enfer et possiblement donc équipée d'une suspension Ohlins et d'un freinage Brembo lorsqu'on l'opte pour la version SP. Mais alors le pire, c'est les prix, je pense. Quand tu vois comment tout flambe partout, sachez qu'une Super 4 normale s'échange là-bas pour environ 9 500 €. Je rappelle que c'est un 1300 cm3. Et pour les versions SP, alors là, c'est à peu près 13 000 €. 10 balles le cm3. C'est un bon prix, ça, à mon avis, pour une moto sympa, sans être exceptionnelle. On continue avec une simple image apparue récemment sur Facebook et qui fait encore couler pas mal d'encre, hein, comme on dit. Celle d'une CF Moto 1250 MT. En clair, un clone chinois de la KTM 1290 Super Adventure, rien que ça, hein. Et vous savez quoi, franchement, comme ça, hein, d'un point de vue purement esthétique, à choisir, je prends celle-là, hein. Je sais pas, c'est peut-être pas le design de l'année, mais je trouve que c'est quand même plus consensuel que KTM, quoi. Alors attention, pour le moment, rien d'officiel, hein. Du côté de CF Moto, on entend les mouches voler, si vous voyez ce que je veux dire. Hop. Impossible pour le moment donc de savoir si c'est une image qui a fuité de chez eux ou si c'est un bon vieux fake de derrière les fagots, une illustration sortie de l'imagination débordante d'un dessinateur en herbe. Mais autant vous dire que si c'est ça, vu la qualité de la réalisation, à la place des constructeurs, je me dépêcherais de trouver le Gus pour lui proposer un job. Hein, voilà. Bon, ce qui plaide quand même en faveur d'une fuite, c'est l'existence d'un bloc CF Moto baptisé China V2 qui en gros est un LC8 légèrement dégonflé, capable de produire 143 chevaux et 120 Nm de couple, là où le KTM est à 160 et 143. Et puis bon, ça semblerait quand même un peu logique vu le succès de la 800 MT, clone de la 790 Adventure, que CF Moto se lance donc dans le gros maxi trail. Pour peu qu'ils arrivent à te sortir ça pour 15 000 balles, et là je reconnais qu'ils vont sérieusement se mettre à faire de l'huile, quoi. On quitte l'Asie pour revenir en Europe et notamment en Angleterre avec Triumph. Ouais, on s'est compris, hein, on se comprend. Enfin, il ne reste pas moins que Triumph a décidé de rendre hommage à la T150 Slippery Sam, qui s'est illustrée en compétition au début des années 70, notamment lors du Tourist Trophy, ou du Boulder, hein. Bon, voici donc la Tridon Triple Tribute. Hein, alors quoi de plus que sur la Trident normale, me direz-vous, hormis le colorible blanc-rouge et puis le numéro 67, hein, 100 ans. Eh ben, elle se part d'un petit saut de vent et puis d'un sabot moteur, par exemple, mais aussi d'un quick shifter. Pour le reste, tout est identique, hein, même le prix. Ouais, vous avez bien entendu, les amis. Triumph propose cette version au prix de la version standard, soit 8 695 €. Normalement, avec cet équipement, elle devrait coûter 9 700 € environ. C'est bien pour ça que je vous en parle, parce que franchement, sinon, rendre hommage à une T150 Slippery Sam avec une Trident, alors que la Daytona vient de sortir, je comprends pas. Mais bon, c'est du marketing, je suis pas un spécialiste. Voilà, hein. Et puis on termine avec une grosse rumeur qui devrait finir peut-être par ne plus en être une, à en croire certaines déclarations de la direction de BMW himself, herself, pardon. Oh, c'est l'anglais, ça, c'est encore un peu compliqué. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quelques jours, Marcus Flash, le nouveau patron de BMW Motorrad, a annoncé une nouvelle GS avec le boxeur refroidi par air des R12. En gros, donc, il devrait nous ressortir une R1200 GS à l'ancienne. Enfin, à peu près, quoi. Enfin, pas tout à fait quand même. À en croire en tout cas les photos volées publiées il y a déjà un certain temps d'ailleurs, hein, par le magazine Motorrad. Et quand je vous dis un certain temps, je vous parle de photos prises durant l'été 2021. Hein, donc ça date quand même. À l'époque déjà, Motorrad nous disait que ce qu'ils avaient devant l'objectif, ça ressemblait quand même beaucoup plus à une HP Enduro qu'à une R90 Urban GS, quoi. Roue 21 pouces à l'avant, pneu à crampons de probablement 90 mm de large à l'avant et 170 à l'arrière, disait-il, et surtout un paralever comprenant un monobras oscillant qui semblait tout nouveau et qui, selon eux, devait permettre un plus grand débattement de suspension. Bon, alors d'après leurs actuelles informations, cette future R12 GS, puisqu'il ne vous aura pas échappé que le châssis ressemble quand même beaucoup à celui des R12,
C'était en 2021, donc. Hein. Eh ben, il pourrait proposer donc un débattement de 200 à 250 mm. Et donc, dans les 250 mm de garde au sol. Alors là, les amis, autant vous dire qu'on aura affaire à une grosse pampatouine des familles. Il se dit aussi qu'elle devrait être équipée d'une fourche inversée, hein, et donc d'une selle enduro assez étroite et d'un compteur rond avec la navigation intégrée. Ah, ça fait déjà pas mal de on dit, hein, je suis d'accord avec vous. Et donc, bah, je ne serais pas surpris si IBM nous l'a présenté à l'ECMA ou à Cologne cette année. À moins que ça soit à l'Alpe Aventure Moto Festival, tu sais. Hein? Attendez, oh, Benato, j'espère que t'es sur le coup, hein. Et sur ce, les amis, aloha. Quoi? T'as envie de te faire couper les poils? Rah? Mais pourquoi? C'est vrai qu'on sort tout juste de la saison des pluies, où il a pas tellement plu, et qu'il a fait 30 degrés pendant la saison des pluies. Et là, normalement, on rentre dans le dur. Alors, je comprends que, bon, voilà, 38-40 degrés, on a envie de se faire un petit peu couper les poils. Je comprends.